et parce que les manifestations sont autorisées par la loi. C'est après les manifestations qu'on se met à s'abattre. Malheureusement, il n'y a pas la compassion. Le gouvernement ne fait pas de compassion. Nous, femmes de Guinée, nous, mères, nous, épouses, nous demandons que les assassinats civils soient arrêtés. Regardez ces jeunes. C'est un espoir de leur famille qui a été arraché à la personne de leurs parents. Nous voulons que justice soit faite. Dès qu'il y a une justice dans un pays, le pays se développe parce que personne n'est au-dessus de la loi. C'est dans le Saint-Coran, c'est dans la langue de Molière, la justice. Pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la justice. Et nous venons rencontrer le monsieur le ministre de la Justice pour qu'il accepte de mener des enquêtes et qu'on traduise les coupables à la justice pour les punir à la hauteur de leur force. Nous sommes là pour ça. On n'est pas venu insulter, on est venu exprimer notre émotion par rapport aux tueries de nos enfants. Ce sont nos enfants qui ont été arrachés à la mort. Et ça, ça fait mal à une mère de famille. Qui pensait espérer, rencontrer le fruit de sa souffrance, on vient, on tue son enfant et il n'y a pas de justice. Si nous sommes là, c'est pour cela. La rue, on n'aime pas sortir parce qu'on sait ce qui nous attend. Mais si c'est notre